Wesh les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Vous avez vu mon dernier vlog à Philadelphia. Je suis allé voir un match de NBA. Là, je suis le lendemain à Atlanta. Je vais voir Atlanta-Boston. Je suis grave en retard. Je voulais être grave en avance, mais mon avion a eu du retard. Et après, là, il y avait v'là le monde à l'hôtel. J'ai eu ma chambre au bout d'une heure. Après, j'arrive dans ma chambre. Enfin, devant la porte, ça marche pas. J'ai dû redescendre, redemander. Ils m'ont changé de chambre. Enfin bon. Bref, on s'en fout. Là, c'est 6h30. Je voulais y être à 6h. Autant dire que je suis un peu en retard. Je vais me speeder. Il y a 20 minutes de marche. Je vais y aller en marchant. Et puis, je vais voir si je trouve un petit maillot de Trae Young. Et puis, en plus, je suis proche du terrain. Ça fait chier. Je vais louper l'échauffement. Mais je suis assez proche du terrain. Donc, je vais voir si, pourquoi pas, je peux faire signer mon maillot. Mais ça m'étonnerait. J'ai quand même mon marqueur. Mais voilà. Donc là, je vais me speeder pour descendre et pour aller au stade. J'ai pris une trottinette pour arriver au stade un peu plus rapidement. Caille sa mère! C'est trop bizarre, il fait plus chaud en termes de degrés qu'hier. Mais il caille sa rage, je sens plus mes mains avec la trottinette. Mais bon, là je suis juste à côté du stade, j'espère qu'il n'y a pas trop de monde. Et comme ça, je peux rentrer facilement. J'espère trouver aussi un maillot. Et puis, j'ai hâte d'être dans le stade parce que je vais être grave bien placé. Patient now my eyes go glacial. Yeah. I was trapping out the vacant till I got some paper. Yeah. I was looking for the smoke and then I got some straining. Yeah. I was out there chasing dreams cause they thought I could make it. Yeah. I put that on my soul, no you can't take it. My soul. On the highway going to places, yeah, prison or vacation, yeah. Yeah. In the trap we switch locations, yeah, gotta stay down. Je viens d'arriver à ma place, je suis putain de bien placé, je suis grave proche du terrain, le terrain doit être à 5 mètres. Je vais vous montrer, j'ai payé la place 180$, comme hier pour le match, mais comme quoi, selon les équipes, le prix change, 180$ pour cette vue. Thank you.
L'hôtel parce que dehors il caillait sa mère, j'avais pas envie de finir la vidéo dehors. Tu sortais ta main deux secondes, elle était congelée. Sinon à part ça, le match était grave cool. Atlanta, ils ont gagné tranquillement, ils ont mené tout le match pareil. Le match avait rien à voir comparé à hier à la fin j'étais un peu déçu. Je pense que j'étais déçu surtout de pas avoir vu jouer LeBron. Ce soir tout le monde était là, donc c'était grave cool. J'étais super bien placé, genre vraiment à côté du parquet. De toute façon, vous allez bien voir les images. J'ai jamais été aussi près du parquet et j'ai payé 180$. Donc ça va, comparé à ce que j'ai déjà dépensé. Le premier match que j'avais vu en playoff, j'avais payé 400$, je crois, un truc dans ce genre. Et j'étais presque aussi bien placé, mais j'étais un peu plus loin. Là, j'étais vraiment grave proche du parquet. Donc c'était vraiment cool. Je pense revenir. Un stade plutôt cool. Et si les places sont pas chères ici, pourquoi pas revenir? J'ai acheté un petit maillot, je vais vous montrer. J'ai pris un rouge parce que Atlanta, c'est leur couleur. Mais j'aimais bien aussi le noir qu'ils ont souvent. Mais il n'y avait pas. Donc Trae Young, forcément, plutôt content. J'ai deux petits nouveaux maillots. Je suis totalement un basket-X. Franchement, je supporte aucune équipe, j'en ai rien à foutre. J'aime juste aller voir des matchs et voir les meilleurs joueurs. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai un maillot des Nets, j'ai un maillot d'Atlanta, de Philadelphie et je vais avoir celui de New York. Et si je vais voir un autre match, admettons à Boston ou à Chicago, j'achèterai pareil un maillot. En plus de ça, ça me fait un souvenir. Je faisais ça quand j'étais en France et que j'allais voir des matchs de foot un peu partout en Europe. Je faisais ça pareil pour que ça me fasse un souvenir. Je trouve ça plutôt cool. Ça coûte une blinde.
Mais tant pis. Donc voilà, je pense la vidéo, je vais la finir sur ça. Demain, je vais traîner un peu sur Atlanta et je prends mon avion le soir. Enfin, il y a une tempête le soir même, donc je sais même pas si mon avion sera là ou sera annulé ou pas. Je verrai bien. Ceux qui me suivent sur Instagram verront si j'arrive à rentrer ou pas. Et puis voilà, n'hésitez pas à me follow sur Instagram. Il y a des vidéos que vous voyez pas du tout en vidéo. Il y a des actions, des trucs comme ça, des stories que vous ne voyez pas en vidéo. Donc n'hésitez pas à me follow. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, bye! I dream that I'ma be big one, putting bullets inside my cigarette.